le monde! Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux jolies filles que vous connaissez fort probablement. Donc, Fanny de la chaîne Fashion Beauty et Amélie de la chaîne Amy Fashion Impact. Allô! Aujourd'hui, on va vous présenter des achats trop hot qu'on a fait hier au quartier d'Estrante. Présentement, on est à l'hôtel Alt. Oui, c'est ça. On a fait quelques boutiques, fait qu'on va vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Puis, la première partie se trouve sur la chaîne de Fanny, fait que vous irez voir ça. Puis sinon, on a aussi filmé un reality versus expectation. Une soirée pyjama party entre girls. Ouais. Puis sur ma chaîne. Je pense que ça va vraiment être drôle, fait que vous allez voir ça aussi. Ça, on va y aller sans plus tarder. Premièrement, on était au Liv et Charlie, puis en passant le gros coup de cœur pour la boutique personnellement, là, je trouvais ça super beau. Puis je pense qu'ils en ont une aussi sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Ouais. Si vous voulez aller voir, c'est beaucoup plus grand. Et la première chose que j'ai acheté, moi, c'est une petite camisole. Et oui, ce n'est pas blanc, ni gris, ni noir, c'est bleu. Puis elle est vraiment belle, mais là, elle est clairement trop froissée. Ouais, moi aussi. J'ai pas vraiment plié. Mais en tout cas, elle est vraiment belle. Toi, on a acheté une noire aussi, oui, je pense. Puis, ils sont vraiment confortables, ils tombent bien. Puis, je sais pas, on a juste la belle là-dedans. Oui. Et ensuite, j'ai acheté une paire de lunettes de soleil. Puis, si vous le savez, j'ai vraiment un problème là, avec mon visage. J'arrive pas à trouver des lunettes de soleil qui me vont bien. Puis, hier, j'ai vu ceux-là. Puis, j'étais comme, oh my god, elles sont vraiment belles. Ils ressemblent à ça. Elles sont toutes jaunes, tu vois, genre. Ouais, hein? Non, mais avec la luminosité. Ah! Hey, mon dieu! La tête, bien clé. Kylie Jenner, tout le monde. Kylie Jenner. Donc moi, qu'est-ce que j'ai choisi, c'est un jumpsuit et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ça. C'est la première fois que je m'achète ça, comme toute une pièce là. Et il est bleu marin, il y en avait aussi des noirs. Super pour l'été, tu sais, une petite soirée. Sur le terrain. Ouais, ouais, ça va être vraiment cute. Et c'est comme aussi camisole là, comme ça, là, pas de bretelles. Ça faisait vraiment bien. Mais ouais, ça, pour vrai. Ma gomme est rendue là. Fanny a mis sa gomme sur la table et... Moi aussi, comme Jessica, j'ai acheté la petite camisole. Moi, je l'ai pris en noir parce que je n'en avais pas de noir. Fait qu'elle est vraiment flippée, là. Ouais, il va vraiment falloir repasser ces choses. Tout comme Jessica, moi non plus, les lunettes, ce n'est pas ma force. J'ai pas une face à lunettes. Mais ceux-là, ils étaient juste trop belles. Ouais, hey, ça fit avec tes cheveux. C'est beau. Oh, ouais. Je les aime vraiment. Puis ils sont pâles. Je me suis dit, c'est des lunettes pâles. Non plus, mais ça va bien avec tes cheveux. On dirait que c'est pâle. C'est beau. Genre ça, là, c'est cendré comme tes cheveux. Ça fait vraiment beau. J'aime beau. Hein? Fait que, ouais, j'ai bien un coup de cœur favori. Il y avait des petites boucles d'oreilles de la compagnie Pilgrim. Puis elle avait dit que c'était du vrai or. Quelque chose comme ça. Oh, oui, c'est ça. Oui, il y avait des vrais cristaux dedans. Oh, wow. Oui. Mais que pour le prix, c'était bon. Fait que c'était 2 pour 22, donc j'ai pris des petits ronds comme ça, j'ai trouvé beau. Puis des petits cœurs, parce que j'ai trouvé trop cute. Ensuite, on a été au bisou. Ce petit truc-là que je trouve trop mignon. Puis c'est comme un bracelet de cheville. Une chaîne de cheville. Puis je trouve ça vraiment beau pour l'été, là, vu qu'on porte plus des sandales, puis avec un petit teint basané. Mm-hmm. C'est vraiment cute. Fait que c'est juste une petite chaîne bien simple, puis un petit détail. Tout drette, là. Ensuite, j'ai comme un gros cœur pour ça. Puis genre, il y en a vraiment spécial, puis très intense, là, avec la grosse semelle blanche. Mais je trouve ça vraiment trop hot. C'est son cognac. Ouais, cognac. Cognac avec une semelle blanche, puis en tout cas, j'ai une petite robe en tête que j'ai acheté au garage, que vous allez voir tantôt. Avec ça, ça va être bien cute, je crois. Et je me suis pris un petit chapeau, parce que moi, avec un petit chapeau comme ça, j'aime vraiment ça. Ouh! Il va juste avoir la plage. Exactement, ce qu'on veut pas à Montréal, en tout cas. Moi j'ai pris, on dirait que c'est tout dans le même thème, un peu aztèque, je sais pas, genre, ouais. Fait que j'ai pris ce bracelet-là, j'achète toujours des bracelets et j'ai mis jamais, fait que j'espère que je vais le mettre. C'est pour ça que j'ai acheté. Mais j'ai trop beau! Oh, regarde! Ah, mais il est beau! Oui, il faudrait que tu portes ça. Tu sais, lui il tient, là, des fois c'est ça, ça me tente parce que ça arrête pas de bouger ou c'est comme tannant, là. Mais lui il est super beau puis il reste en place, fait que je pense que lui je vais le porter. Ouais. Puis après ça, j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça, qui fit vraiment avec le bracelet aussi. Très mignon. Et j'ai pris un set comme ça. Ça, j'aime bien ça, je fais ça. Puis la dernière chose, c'est un petit peu plate, là, mais c'est une étui à maquillage. Et c'est parce que j'en ai toujours de besoin, puis là, je la trouvais belle, là. Mettre dans ma sacoche. Ouais, c'est ça. Et pas trop bas. Ben, moi, j'ai pas fait beaucoup d'achats, mais j'ai acheté les mêmes boucles d'oreilles que Fanny parce qu'ils étaient vraiment belles. Il y avait comme des. Soit en marbre, là, pis tout. Pis encore une fois, des petites boucles d'oreilles que je porte toujours, là.
Et je me suis acheté des élastiques. Il y en avait un blanc, mais je l'ai porté hier. C'est juste des élastiques en tissu, fait que ça te fait pas nécessairement une trace d'élastique quand tu te fais une couette. C'est pas trop un gros chou non plus. Ouais, c'est ça. Mais il y en avait des gros, mais là, je me suis acheté pas de petits. J'ai acheté ça, puis les boucles d'oreilles, puis ben, le reste, c'est dans le hall à Fanny. Vous irez voir, gang, c'est ça. On a fini le tour chez Garage, puis sincèrement, il y a tellement de beaux trucs, genre je capote ma vie en ce moment. La première chose que je me suis acheté, puis que je cherchais depuis longtemps, mais vous savez, là, j'ai pas de fesses, fait que rien, genre, c'est pas avantageux, ok? J'ai un derrière de grand-papa, genre. Oh! En tout cas, j'ai une petite jupe en jeans avec plein de boutons en avant. Je sais qu'il y en avait une en plus foncée aussi, mais je trouvais que porte comme ça, c'est plus beau pour les tailles. Avec toutes les crop tops que t'as achetées. Ouais, j'ai juste acheté les crop tops. En même vidéo, au lieu de dire qu'elle a acheté des vêtements style Coachella, elle a dit style Hochelaga. C'est tellement pas la même chose! Marquée à Hochelaga, ok? Moi, j'ai le truc que j'ai pris, c'est un genre de... Pour vrai, c'est même pas un crop top, on dirait que c'est comme un bandeau, genre. Mais vu qu'il fait un petit peu plus long en avant, puis la petite jupe, pour vrai, on voyait à peine de mon ventre. Puis la couleur est vraiment belle. Moi, j'aime vraiment ça, le jaune comme ça. C'est comme moutarde. Ouais, l'air de foncé. Ouais. C'est vraiment jaune. De couleur du jaune. Moutarde au miel, je pense. Prochain truc que j'ai pris, c'est une petite robe en suède. Puis le pire, c'est que j'avais vu il y a vraiment longtemps. Puis elle était comme presque 50$, j'étais comme Noé que j'achète ça là. Mm. Puis là, elle était à 24$ en spécial. C'est tellement cute! Ouais! Fait que c'est comme un. Hey, on dit c'est cognac aussi. Orange brûlé. Ouais, c'est vraiment ça. Puis le détail en bas là, c'est comme un. Crocheté, on dirait là, je sais pas trop. Fait que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et le dernier truc, j'aime bien gros les chemins qui sont off the shoulder aussi en ce moment là, c'est vraiment la mode. Fait que il y a juste deux petites cordes, prenez chacun un bol genre. Et voilà. Il y a juste des petites cordes, puis les manches sont plus évasées. Oh. Ça fait vraiment style comme bohème, là, de la petite dentelle. Mariage. Ben, moi, quand je le vois, c'est une robe de mariage. Ben, oui. Un petit peu de faire à repasser redonnera à ce événement sa forme originale. Wow. Merci, Fanny. Fait que moi, au garage, je me suis pris une paire de shorts, fait qu'ils sont juste noirs comme ça. Il y avait une avec des motifs, là, mais j'étais pas game. J'ai pas assez de. Mais je préférais noir, c'est plus casual, ça passe avec tout. Fait qu'il y a des petits froufrous sur les côtés, dans le bas, puis en tout cas, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était 29,95. Ah, pas bien pour les shorts, je trouve. Ouais. Puis j'ai acheté aussi des trucs, des Airbnbs pour la tête, parce qu'ils étaient vraiment beaux. Genre, ceux-là étaient comme tout tressé avec du petit or dedans, puis je trouvais ça cute là, pour l'été. Pour pas avoir les cheveux en face. Moi, tu sais, il y en a qui mettent dans même, genre, comme couronne, on dirait. Ouais. Les mettre comme parent. En vrai, je sais pas comment les porter. Et moi, j'ai deux petites choses à vous montrer. Donc, la première, c'est cette petite blouse, comme une petite camisole. Elle faisait bien en plus. Ouais. Oh! Ouais, la couleur à partir pour Fanny. Hey, wow! Et le dos était vraiment beau aussi. Un petit peu ouvert en bas. On voyait ses jolies fesses. Oh, mon dieu, mon dieu. Fanny a toute une paire de fesses. Ah oui! C'est cette petite chemise-là que je trouve qui fait mélange indien-bohème. Encore style Caroline Néron, Marie-Chantal Toupin. En deux mélanges. On a fini, gang! En tout cas, c'était vraiment fun. On a fait une belle journée. Oh, on a vraiment pris des vraiment beaux trucs, en tout cas. Là. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des filles. Je vous mets tout ça en bonne information. Bye! Bye! Oh mon dieu, vous êtes tellement amis. Wow!